Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Squalichon et bienvenue pour la suite de Rise of the Shimatsu. Alors je vous laissais au lors du précédent épisode, après une victoire ici à Tango, ils étaient venus m'assiéger, j'avais fait une sortie et je les avais battus, et surtout une grande victoire face à l'armée, voilà, lui là, le Shosokabe, l'armée principale a priori. Donc une victoire avec même pas moi, juste une petite armée que je m'étais faite tranquillou. Et donc bah les Shosokabe ça va plutôt bien se passer a priori. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein. Mais a priori ça devrait le faire. Ici il râle toujours autant, voire même plus que jamais, puisque la chrétienté continue à augmenter. Mon moine arrive au prochain tour. Au prochain tour le château ici est fini, je vais pouvoir lancer la construction d'un temple pour pallier un peu ce problème et pouvoir surtout récupérer mon armée là qui est bloquée ici pour faire régner l'ordre. Tout ça d'armée bloquée pour faire régner l'ordre dans une ville, ça me gonfle. Voilou, il y a ma flotte qui est toujours voilà. Est-ce que je me fais une petite escale en mode je le détruis lui d'abord? Peut-être faire ça. Hein. Est-ce que même j'envoie des renforts? Pourquoi j'ai deux navires de commerce ici? Ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens. Ah mais j'en avais peut-être un là. Je vais me faire une flotte. Enfin, je vais me faire une flotte. Je vais me faire un bateau quoi. Voilà. Alors, donc au prochain tour, je vais essayer de prendre la ville, ou alors non, je vais achever son armée. Quoique. Mais je sais pas si ce qu'il a apporté d'aide, je ne pense pas. Ah oui, mais c'est son daimyo, je crois. Ah, c'est le daimyo. Ouais, moi je vais aller achever le daimyo. Je vais aller achever le daimyo, je vais aller achever le daimyo. Toi, ouais, tu vas là. Toi le moine nanin, et toi nanin. Bon, et ben voilà. Pourquoi je peux pas faire de diplomatie? Ah, ok, petit bug. Petit bug de derrière les fagots. J'imagine que oui. Hop. Hop, oui, c'est bon. Alors, quelle heure qu'il? Il était 40, ouais, quand j'ai commencé, à peu près. Donc, 40. Donc à 5, 1, ouais, voilà. Rojo Takeda. Alors Shosokabe. Oula. Ils ont essayé de refoutre un peu toutes leurs troupes machin. Mais ça ne suffira pas. Vous allez tous mourir. Tous. Ah les Kiso sont encore là.
Non. Non. Et non. Je ne suis pas d'accord du tout. Mais non. Voilà. Bon, alors, armée cachée découverte. Voilà. Tout ça. C'est ça ton armée cachée? Oui, bon, ça va. Soit brut perdu. Ouh, ça me fait perdre beaucoup de thunes d'ailleurs. Oui, bon, ça va. Notre ninja a été détecté. Oui, mais je sais qu'il a été détecté, mon ninja. Tiens, il va revenir là d'ailleurs pour voir si je peux attaquer Tamba. Y a que dalle à Tamba. Très bien. Bon. Je vais faire un katana ici, tiens. Ouais, je vais faire un katana ici. Enfin non, bon, je vais voir d'abord. Je vais voir d'abord les problèmes d'ici. Alors, hop, voilà ça. Putain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ceci. Et ceci. Et allez, je vais vous la faire. Je vais vous la faire parce que vous m'en réclamez. Mais c'est pourri, les batailles navales de Shogun. Enfin, je n'aime pas. Allez, faut pas dire que c'est pas bon. Faut dire que tu n'aimes pas. Oui, bon, ben, je n'aime pas. Soit. Soit, soit, soit. La simple signification de l'étiquette est d'être prompt au début et à la fin, et serein au milieu. Ouais, alors la simple de l'étiquette, donc l'étiquette pas celle qui vous gratte dans le dos avec vos chemises, machin, non, ça n'a rien à voir. C'est plutôt, si vous voulez, le standing, le voilà, hein. Voilà. Donc le 1, l'étiquette, enfin a priori, je pense, hein, est d'être prompt au début et à la fin. Si vous n'êtes prompt qu'au début, ça, non, passe pas. Mais au début et à la fin de quoi? On ne sait pas de l'étiquette, peut-être. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et serein au milieu. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie, en tout cas, hein, parce que, pas à dire, sans vous, je pense qu'on n'irait pas bien loin. Oh oui, mes renforts qui vont arriver, c'est magique. Et en plus, ma flotte, elle, pour le coup, va arriver au bout de 15 000 ans, puisque... Alors, portée de tir. Honorabilité, résistance de la coque. 200. 100, 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 100. Donc, c'est toi qui vas être en première ligne. Toi, c'est quoi? C'est les cobayes d'archer, donc ça, faut pas qu'ils se fassent choper. Hop, vous êtes les bateaux un peu manœuvrables, donc là. Et toi, t'es un cobaye d'archer, donc là aussi. Hop. Lancer la bataille. Voilà. Hop. Oui, les renforts sont arrivés. Faut le dire vite. Hein. Faut le dire vite. Putain, il y a pétole. Regardez, la mer, elle bouge pas. Donc, le vent vient très spécifiquement de là où viennent mes renforts. C'est bon, ils sont arrivés là. Voilà. Oh, pour le coup, on va voir. Oh, c'est beau. Waouh. Oh, ce coalition, il nous fait des plans trop beaux. Et ouais. Je sais, hein. Je sais. C'est tout un travail. Des années d'expérience. Il est où mon bounet? Il est là.
Je suis vraiment nul en bataille navale, c'est dramatique. T'es quoi toi? T'es un bounet. J'aime pas trop que tu sois en première ligne toi. T'as déjà tous tes archers qui sont morts. Quasiment. Tu viens de te casser ou pas du tout en fait? Tu ne veux pas. Ou tu ne veux pas. Tu me dis. Alors lui il a un cri, moi j'ai pas de cri. Si c'est ça? Non, vitesse de bataille. Ah c'est lui. Hop. De quoi? Il est coulé? T'as réussi à faire couler un bateau? Diantre. Ils étaient à l'OTA, c'est la première fois que je vois ça pour le coup. J'avais fait une bataille navale et j'avais pas réussi à faire couler un bateau. Et pourtant, Dieu sait que j'avais essayé. Hein. Et voilà. Petite victoire de canard. Alors, me demandez pas comment ni pourquoi, hein, mais j'ai gagné. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce qui est important, là, j'ai envie de dire, c'est sûr. Quoi, tu t'es reformé, toi? Mais. Oh, c'est fou, ça. Il n'y en a pas un qui a une flèche, si. Non, mais lui, c'est bon, il se. Ah, voilà. Tortacité, nul doute, Valen Grand, Victor, les amis sont morts ou fuient comme des lâches. Ouais. C'est pas passionnant les batailles navales. Il y avait un beau plan au début, dans le soleil couchant tout rose. Tu reprenais un peu de champagne? Non merci. Un peu de soleil couchant tout rose? Non merci ça. Mais à part ça, à part les jolis plans, voilà, je veux dire. Bon après, il y a d'autres bateaux. Il y a d'autres bateaux, il y a des bateaux un peu plus européanisés, on va dire, enfin avec des canons quoi. On va dire, ah mais les canons, c'est les Chinois qui l'ont inventé, gna gna gna. Oui, ok. Bon, mais quand on pense, si vous voulez, à une frégate avec des putains de canons de deux côtés qui tirent comme des borins, on pense plutôt aux bateaux européens qu'aux bateaux chinois ou japonais, quand même, on dit, hein. Bon, voilà. Je peux me tromper, mais enfin, il me semble. Enfin, moi, on me dit. Bateau, canon. Premier truc auquel je pense, c'est pas aux Chinois qui font des feux d'artifice et qui, après avoir fait des feux d'artifice, inventent des canons. C'est quand même un cheminement assez étrange. Bon, après, chacun son truc, mais. Unité capturée. Es-tu en train de dire que j'ai capturé une unité? C'est ce que tu es en train de dire, je crois. Je crois que c'est ce qu'il est en train de dire. Diantre. C'est étonnant. J'ai capturé une unité. Me voilà tout à fait fortaise. Bon, à foutre ça là. J'ai un bateau là qui fout là. Ah oui, bah. Ah bah pff, ah bah. Suis-je bête? Bah d'ailleurs, voilà, toi tu vas aller là. Puisqu'on fait. Et c'est marrant, j'ai jamais été emmerdé par les pirates Waco dans d'autres parties. Hein. Faut dire aussi que je faisais pas de flotte.
qui peut jouer, ça peut jouer. Ouais, ouais. Je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire. Vous allez me dire, si tu n'as pas de bateau, les bateaux ne tombent. Ouais, 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 non, je vois, ouais, ouais, non, c'est pas faux. C'est pas faux d'ailleurs. C'est pas faux. J'y penserai. Prochaine fois, avant d'ouvrir ma gueule, essayez d'éviter de dire des conneries. Hein? Bon. On peut pas tout faire non plus. Hein. Et voilà, on fait ce qu'on peut. Voilà, voilà. Alors, un temple. Un... Non, voilà, c'est ça le temple. Oui, c'est ça le temple. Hop, le petit moine. Tac, et alors voyons. S'il est fait, je comptais. Eh bien là, je vous dis. Alors. Que dalle. Que dalle. Que dalle. Donc, va bien, effectivement, falloir que je fasse un fucking temple. Qui arrive donc dans deux tours. Bon, ça c'est déjà bien. Et là, on a dit cavalerie, 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 cavalerie. Tutu. Là, j'ai dit que je me faisais un katana, il me semble. Hein. Un katana? Oui, un katana. École du sabre. Hop, katana, je n'ai plus de troupes, je n'ai plus d'or. Je gagne 2233 d'or par tour, cela dit, c'est plutôt une bonne chose. Et je ne me reconstitue pas, et nous sommes en été, en automne, pas du tout, en été, en automne, donc je vais perdre l'unité au prochain tour, sauf si je prends la ville. Oh, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'archers, alors est-ce que je prends la ville, ou est-ce que je tue son règne, je sais pas, je vais prendre la ville. Ah, je vais essayer en tout cas. Et j'aurais eu mon ninja, j'aurais pu tenter d'ouvrir les portes. Mais je n'ai pas de ninja, donc je n'ouvre pas les portes. Il a deux archers samouraïs, moi j'en ai trois, mais c'est des Ashikaru. Donc ils vont quand même me faire mal, ça fait chemir. Doum, doum, doum. J'avais commencé à 40, je crois, 38. 38. Ah oui, je m'étais dit que je m'arrêtais à 10. Et ben voilà, petite bataille. Petite bataille, a priori, ça devrait être fait. Le temps, de toute façon, que je finisse le tour, que je dise au revoir. De toute façon, je mets à chaque fois 10 minutes. Donc c'est bon, ça devrait être pas mal. Bataille de Imabari. L'horloge de bataille, non, ça c'est pourri. Ça c'est même pas drôle, c'est même pas un petit machin, c'est de la merde. Même si l'ennemi se trouve en son nom, la victoire est toujours possible. Ça c'est un peu... Ben... C'est un peu con, je ne sais pas. C'est peut-être pour éviter les campouses. Bah non, d'ailleurs non. En fait, ça justifie même les campouses. Si vous défendez, en tout cas. Si vous attaquez, vous pouvez pas camper. Ça, ok. Mais si vous défendez, ça justifie la campouserie. Puisque plus vous retardez l'échéance, plus vous avez des chances de gagner. J'avais essayé de faire une partie, je m'étais fait embusquer un général. Je crois qu'il y avait lui, ou il y avait peut-être 2-3 troupes, je sais pas. J'avais essayé pendant une heure de le faire tourner, le général. Pour pas qu'il me rattrape. Et puis ça m'a saoulé. J'avais dû tenir quand même un quart d'heure. Hein. Bon, un grand coup d'altab quand même, hein. Je l'envoyais à l'autre bout de la carte, puis hop, j'allais faire autre chose, quoi. Mais bon. Faut tenir une heure quand même. Après, il y a dans les options, on peut baisser la durée justement de la bataille. Mais bon. J'avais fait une bataille 20 minutes. Et 20 minutes, en fait, c'est pas très long quand même. Hein. Et ça fait un peu chier de perdre alors que vous êtes en train d'avoir une grosse bataille, machin. Vous savez pas si vous allez gagner. Si vous gagnez, c'est trop la fête. Si vous perdez, c'est la merde. Oh là là, c'est horrible. Et paf, voilà, t'y pas que, hop, vous allez gagner, vous prenez l'ascendant, vous dites, ah oui, c'est bon, et pouf, hein, vous avez perdu, parce que le temps est fini. Moyen de l'avoir mauvaise, à mon avis. Bah, moi, je l'aurais mauvaise. Ouais, j'ai des archers aussi. Ouais, et puis ça me saoule, la pluie, le brouillard, là, je vois que dalle, c'est chiant. Donc, on va faire ça comme ça, tac, et puis on va attaquer là. Comme d'hab sur cette map. Non. Tu veux bien Ah, mais il a pas de cave, donc ce que je vais faire, c'est plutôt que je vais mettre Minaginata en première ligne. Histoire qu'il capte les flèches, Menodashi derrière, qui vont charger comme des brutes épaisses. Qu'ils sont d'ailleurs, ce sont des brutes épaisses.
Les katanas sont niveau 2, katana Shimatsu niveau 2, c'est plutôt bien. Plutôt très bien. Mais... Toc, toc. Ah, j'ai plus ma cave. On se l'a dit en machin, c'est pas très grave. Alors, ah, vous pensez que j'allais attaquer de là? C'est complètement con, c'est là où il y a le plus grand mur. Vous êtes débile ou quoi? Mais c'est stupide ce que vous me dites là, mais réfléchissez un petit peu. Moi je vais là où c'est facile, là il y a deux portes, le mur il est pas très haut, et voilà quoi. Oui, mais faut. Alors voilà. Tu comptes revenir de façon régulière sur Endine? Mais bien sûr, mon petit Adaran, bien sûr. Écoute, je suis en vacances, hein, donc voilà. Mais diantre oui, diantre oui. Cette question, je vous jure, je vous jure. Genre, je vais abandonner mon serveur. Non mais. Fichtre, non! Fichtre, non! Mais non! Mais je m'insurge! Je vais me fendre d'un petit. Ah, ça m'épose. Ah, psychiatre. Psychiatre ne me dit rien, mais pourtant, bref, c'est bizarre. Ouais. Je suis désolé, hein. Hop, voilà. Excusez-moi. Partie en pause. Reprendre. Voilà. Excusez-moi, hein. J'oublie de couper à chaque fois. Je sais. Ah, mais faut que tu coupes, oui. Je sais. Allez, on avance. Oh là là. Oh, comme ils me mettent cher. Ah, oh, c'est dur ça. Alors stop, sauf toi, t'y vas toi. Toi aussi d'ailleurs, tu vas y aller. Oh là là. Ah, j'ai même pas mon. Non mais vas-y, c'est la folie là. Ils vont fuir, hein. Ouais. C'était sûr. Purée. Ah, mais ils me défoncent. Putain, les chaussons qu'il y avait, ça va, quoi. Les archers, ils font pas semblant, hein. Non, par contre, non, c'est des Naginata, en fait, je vous explique. Les Naginata, ils sont résistants aux flèches, en fait. Bon, c'est pas grave, on va dire qu'on a rien vu. C'est un peu le but des Naginata, et c'est aussi pour ça que je les envoie en premier, en fait, théoriquement. C'est assez chiant que vous en ayez rien à foutre. Ça m'embête, pour être tout à fait franc. Eh, général, parce que là, faut y aller. Hein. Faut que tu encourages un peu tes unités. Voilà, t'es content, y a ton général. Ça pue quand même, ça pue. J'aime pas ça. Ils sont partis, mais ouais, ils sont partis évidemment. Grosse charge dans le dos là. Il n'y a pas à péter. Prendre un fort au. Ouais, prendre un fort au mec, c'est tendu quoi. Au Shosokabe là. C'est un poil tendu, ouais.
Ah là faut y aller les mecs par contre. Je vais pas me mettre au combat, c'est très perturbant. Et les archers faut mourir hein, les mecs. Ah merde. Non mais les gars, c'est des archers. C'est des archers, j'ai des samouraïs. Tout ça quoi. C'est bien, c'est que je les sorte de la mêlée là. Vous tirez ou jamais? Ah mais pourquoi vous tirez pas là? C'est chaud. Les... Putain, évidemment quoi. Évidemment. Diantre. Fichtre. Il y a charge de flanc de 12 hommes. Oh, c'est bon, hein, c'est une blague. Ah, ah, ils vont se faire massacrer. Bougez pas. Oh, ils ont fui. Aïe aïe aïe, faut pas qu'ils fuient eux. Aïe 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 aïe. Allez. Ah, tenez, tenez les mecs, tenez. Vous avez pas le droit de fuir. Allez, reprends un peu du bol de la bête. Allez, allez. Allez. Il arrive à point nommé celui-là. Ah, les mecs ne veulent juste pas crever quoi. Mais non, mais c'est une blague ou quoi? J'ai des Shimatsu là, j'ai des Shimatsu. C'est des archers, ils ont toujours pas fui. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais c'est une blague, c'est un sketch. C'est quoi ce qu'ils ont? C'est des archers à Shigaru là-haut. Oh, c'est quoi ce sketch? Mais sérieusement, c'est une blague. Mais c'est une blague. C'est une blague. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, défaite, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne savais pas que les Ashigaru, regardez ça, ils ont tous le moral complètement ébranlé, mais non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Les Naginata, alors ça c'est génial quand même, les Naginata ils se sont fait défoncer par les archers, c'est quand même la force des Naginata, c'est justement bah, d'être relativement... insensible aux flèches quoi. Mais bon, c'est pas grave. Toi tu ne tires toujours pas ou tu viens juste de... Je sais pas. Cette bataille n'est pas perdue. Tiens, lire. Même si il est plutôt mal engagé, bien admettre. Et que dans tous les cas j'ai perdu beaucoup trop d'hommes. Beaucoup trop par rapport à ce que j'aurais dû perdre. T'as plus de flèches toi, ce que t'es en train de me dire. Putain, les archers Shokosabe. Bon, bref.
c'est mignon, mais... On va me dire, ah mais oui, mais t'étais encerclé. Bah oui, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on peut, quoi. J'aurais peut-être pas dû rentrer par la porte, quoi, mais bon. En même temps, vous rentrez pas par la porte, vous voterez, vous pernez. Donc, ouais, chausse au cabet, hein, pour prendre une ville... Ouais. Ouais, ouais, hein. C'est un peu le même délire avec les Oda. Les Oda ont des archers, enfin des Hashigaru un peu plus forts. Tiens, tu vas te reposer, toi, tu vas te reposer pendant ce temps. On va rester sous les feux des archers, ou c'est bien. T'as beaucoup de flèches, toi? Tu veux pas lui passer tes flèches enflammées, toi? C'est vrai que c'est assez con, ça. Pourquoi il peut pas enflammer ses flèches tout le temps? Faut faire un mort au moins, voilà, 2, 3, c'est bien, 4, 5, 1, 3, 1, 4. Bon, alors, ça c'est bien, là il y en a combien? 24, et là 8. Un mort. De quoi? Mais non, je t'ai dit de tirer sur lui, tu te fous de ma gueule ou pas? Bon. Là-bas en plus il y a un gros là. Non. Non. Voilà. Tirer sur eux. Vous n'avez pas besoin de bouger pour tirer sur eux en fait, je vous explique. C'est pas grave. J'ai 30 hommes, hein. Sachant qu'ils ont des vassaux encore, ils en ont 4, mais... Quelle horreur, comment ça doit être flippant. Ah ouais, d'accord. Deux morts. Sur une salve, quoi. Mieux, mieux, voilà. Mieux. Non, je vous ai dit d'arrêter de tirer, en fait, les mecs. Pas grave, mais... Parce qu'on a attendu une petite... Voilà, qui est mieux. Bon. Alors... Non mais en fait je vous avais quand même dit d'arrêter de tirer les mecs, hein. Ils ont vidé leur carquois ces coins. Hein. Youhou, je suis là hein, les mecs. Voilà. Ah c'est bon, vous avez gagné vous. Et les archers ils veulent pas crever. C'est un truc de fou. C'est quand même n'importe quoi là, faut arrêter un moment. Attendez, oh. Ah oui. Ça y est. Ça y est. Ah bah purée. Ah non mais je vous... Ah bah non mais alors voilà. Bah alors voilà.
C'est un peu facile ça, Madame Martine, là. Waouh. Aïe. Aïe. Oh, ça, ça va faire mal, ça. Ça, c'est sale, ça. Je l'ai complètement zappé, celui-là. Aïe, aïe, aïe. Oh non, non, non. Oh non, oh non, oh non, oh non. Ah, j'ai déconné. Non, je l'avais zappé, son général à la chloumpf. Fudiantre. Pécadille. Allez. Si mon général meurt, j'ouvre le scandale de toute façon. De toute façon, voilà. Putain, j'aurais eu encore des flèches là. Oh, je l'avais complètement zappé celui-là. Général enthousiaste. Moi aussi je suis enthousiaste. Je t'emmerde. Allez, général, allez, allez, on entre, on entre. Allez, 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 voilà, voilà, voilà. C'est bien. Bon, maintenant, tu le charges dans le cul. Et boum. 14, 13. Allez. Allez, il y a 200 archers, tout ça, ça devrait aller. Mais oui, notre général a été tué. Leur général. Leur général, j'ai bien entendu leur général. Il m'a semblé entendre leur général. J'ai encore la tête de mon général, donc je pense que ce n'est pas le mien dont on parle. Est-ce que si je me mets là, je capture le château ou pas? Ouais. Je n'ai jamais fait une bataille aussi. Ah mais toi, t'es pas venu. C'est pas possible ça, hein. Regarde-moi ces fagottes là. Wow, 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 wow. On va éviter de perdre notre général pour rien. Toi aussi tu viens, mais c'est diantre. Allez, attirez-les. Hop, une grosse charge dans le 1. Hein. Boum. Il en restait 3. Mon général meurt. Je rehurle au scandale. Victoire! Eh ben purée. C'était un peu laborieux. Victoire décisive. Victoire coûteuse, plutôt. Très coûteuse. Eh ben du coup, on va dire longtemps du coup d'ailleurs. Flocon dans l'air porté par un bon froid vers Macter au sacré. Ok. 19h, faut que je bouge moi. Haha. Bon, ça va. Ouais, bon, bah purée, j'ai perdu toute mon armée. Ça, c'est Ah ouais, en plus, putain, c'était mon daimyo. Il a failli crever, le daimyo, quand même. Ouh, je l'aurais eu mauvaise. Le problème, c'est qu'il a encore son armée. Alors, je sais pas si j'ai des restes. Beaucoup. Je ne suis pas convaincu d'avoir beaucoup de restes. Ça peut mal se mettre. Ça peut assez mal se mettre. Ouais, ça peut mal se mettre. D'autant que, pff, ouais, défendre un château contre les Chosokabe, de toute façon, au niveau des archers, ils sont plus forts, hein, donc... Aïe, 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 ouh, purée. Ouais. Ah, par contre, moi, j'aurais tout tué, bon. Ouais, mon daimyo, ouais, youpi, bravo, c'est bien. Comment ça, projection de la fortune de la ville, 0, comment, de pourquoi? Aïe aïe aïe, en plus il a un katana, moi je n'en ai pas tellement en fait. Honneur du daimyo, de la station. Tac, non. Voilà, ça c'est pas à moi ça. Oulala. Ça va être tendu. Chanceux. Ah, maintenant on peut plus faire ça! On s'est abusé. Chanceux.
Moins 2 de probabilité égocentrique, dragueur. Et stratège quand même. Il a un truc qui est pas mal. Putain de morale pour tout le monde, c'est bien ça. Et ça c'est carrément bien. Plique, ploc, plique, ploc, plique. Ok. On va faire ça. Alors là je suis dans la merde. Je vous le dis tel que. Je vous le dis tel que. Je suis dans le. Ah oui, et en plus j'ai viré ma flotte. Intelligent ça, ce colichon. Intelligent. Et je n'ai pas d'or pour me faire un bateau. Bon, tout va bien. Est-ce qu'éventuellement une trêve ça vous tente? Parlez avec prudence. Non. Bon. Oui mais quand même, je veux dire, on est peut-être pas obligé de tout le temps se foutre sur la gueule. Je veux dire, faut, à un moment, il faut grandir, hein, faut mûrir aussi. Alors voilà, si dès qu'on se fait la guerre, on est obligé d'aller jusqu'au bout, c'est ridicule, hein, y a pas d'autre mot, c'est ridicule. Voilà, 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 c'est tout. Après moi je dis ça, hein. Non mais voilà, mais c'est un peu simple. Bon. Alors toi tu n'as rien. Tu es juste quoi? Tu es juste ouais de la merde. Et de la merde. Bon. Néanmoins, je vais vous laisser sur cette victoire ô combien pathétique. Je suis un peu déçu de mes Naginata là. Faut dire que, ouais, c'est vrai que j'ai l'habitude de manier des troupes niveau ouais, 5, 4, 5. Donc, j'avoue que mes Naginata, moi, quand je les envoie, ils crèvent pas quoi. Hein. C'est des brutes épaisses, boostées à la défense, tout ce que vous voulez. Ah oui, non, j'ai pas de sous, donc ça ne sert à rien d'essayer de faire des trucs, ce colichon. Ça ne sert à rien. Par contre, pourquoi je vois pas les ports? J'aimerais bien voir les ports, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. J'ai quoi, là? Ah oui. Ah oui, et là. D'accord, toi, t'as déjà bougé. Et donc, toi, tu pourras aller prendre ça. Est-ce que j'ai une flotte qui se fait là? Je ne sais plus, je crois que j'ai un bateau. Qui est en train de se faire. Voilà, c'est ça. En plus, un bateau pourri. Oh, mais j'aurais trois... truc. Ah toi t'es déjà ok. Bon, et eh ben écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Ça va être chaud là. Hein. Ça va être tendu ici. Pour défendre le château là. Entre 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unités contre 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Main, voilà. Je crois que celle-là, on peut vaguement la compter comme une unité. Le château, je sais pas s'il sera reconstruit. Ah, en plus, il aura que ça. Putain. Putainco. Qu'un vassal. Bon, cela dit, un vassal, c'est énorme. Mais bon. Bon, et ben en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, malgré ma mauvaise humeur suite à ma victoire ô combien pourrie. Hein, voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Je vous remercie. J'espère que vous l'avez. Que vous. Hein? Bon, ou pas. Mais pas très. Et voilà. Faut pas renifler la compote, ça fait tousser. Voilà, c'est sur ces bons mots que je vous laisse, que je vous remercie encore une fois et que je vous dis à bientôt. Ciao!